Les gens. Moi, je refais une vidéo là parce que ben, j'ai refait les réglages. En fait, j'ai changé mon gicleur de ralenti. Bon, j'ai beau chercher le 36, je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai remis un 38. Tant pis, il sera gras. Mais c'est mieux que s'il n'est pas gras, qu'il était un peu pauvre. Donc, même à la lecture de la bougie, j'ai bien vu que c'était un peu. Malgré que j'ai pas assez roulé, mais bon, je l'ai vu quand même. C'est trop pauvre au gicleur de ralenti. Alors, j'ai remis le 38. Voilà. 38. Alors, oh, je sais pas si on le voit. J'ai la bougie là. Bon. Je sais pas si on la voit, tu vois. Perso, en GP, je suis gras. Alors, ce que je comprends rien. Enfin, je comprends plus rien parce que je suis à 89 et je suis gras, tu vois. Bon, après, je trouve que j'ai peut-être pas assez roulé pour bien vérifier, c'est sûr, certain même. En plus, j'ai pas fait de pointe, donc. Mais bon, c'est pas grave, il restera en 89. Je vais pas le mettre en 90 ou en 91, je pense que ça sera trop bras, au gras parce que je le sens quand j'accélère quand même. Donc, pour l'instant, je laisse le 89, vu les températures, et le 38 en GA. Voilà. Alors après, ce qui est de la chèvre, 7 grammes 3 par basculeur sur le R3. En 6 grammes, comme j'expliquais dans la première vidéo, j'étais trop léger. Là, 7 grammes 3, c'est nickel. Bon, il faisait la chèvre, pourquoi? Pour le ressort. Alors, si vous voyez bien, je vois, je l'ai tendu un peu. Je sais pas si on voit là. Je vais faire un zoom. Enfin, je vais essayer quoi. J'ai un peu tendu. Bon, je ne l'ai pas réessayé. Il va falloir que je l'essaye. Et alors, si vous voyez, enfin, si vous êtes aperçu, j'ai enlevé la pédale lanceur. Voilà. Même hier dans la vidéo, j'avais pas la pédale lanceur. Parce que ça m'a gonflé, ça vibre, ça m'a gonflé, je m'en sers pas. Donc, si je m'en sers pas, ça a rien que je l'ai. Alors, je m'en sers pas pourquoi? Parce que de deux, j'ai pas trop l'habitude. Et de deux, toujours pas envie de casser un vélo à cause de ces conneries. Bon, il est quand même souple mon moteur, mais ça fait rien. Tu sais, des fois, tu t'excites un peu et tu appuies et voilà, et ça part en live. Donc, avant, j'avais pas de pédale, je m'en sortais bien. Et maintenant, à moi de faire mes réglages par rapport au ressort. Parce que quand on a la pédale, on peut la maintenir, tu vois. On maintient le moteur pour pas qu'il fasse la chèvre. Mais bon, moi, je l'ai enlevé, c'est bon, ça m'a gonflé. Je n'ai plus de pédale et je vais tout régler au ressort. Voilà. Alors pour le pot m'a envoyé un commentaire me disant prendre une photo du pot. Bon, photo sur la GoPro, j'arrive pas à prendre photo. Et ben je le filme là, tu vois. Alors c'est une stage 6 de scooter que j'ai modifié. Eh merde, c'est un petit parasite là. Allez, casse-toi. J'ai modifié là, c'est-à-dire que je l'ai coupé. Et j'ai mis comment ça s'appelle ça? Une rallonge. Tu sais, les rallonges qu'il y a sur les pots, les Doppler, tu sais, ils te vendent des petites rallonges là. Eh bien, j'ai mis ça. Je l'ai brasé. Donc, à la base, il avait la même forme, le cône. Tu vois? La corde, elle avait la même forme. Donc, c'était juste la longueur que j'ai modifiée. Et à l'arrière, j'ai soudé ses pattes. Je sais pas si on les voit. Je vais me rajouter de la lumière. Elle est là. Tu vois? Voilà. Des pattes. Alors, c'est de la 4. De la tôle noire que j'ai coupé bien sûr et j'ai brasé sur le pot. En premier, je l'ai présenté hein, pour voir où ça allait tomber à peu près. Et voilà. Donc, bon, la biellette, elle est comment on appelle ça? Elle est faite maison sans cylindre bloc. Bon, ça vibre quand même. Les cylindres blocs, ça vibre. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a de la vibration. Alors, je sais pas exactement où c'est. Il faudrait que je voie ça sur béquille, mais bon, ça doit venir un peu de partout. Hein, des ressorts, du ressort jaune. Hein. Il y a un peu tout qui vibre. Hein. Après, quand j'accélère, que je suis dans les tours, ça va, tu vois, ça vibre plus. Mais c'est surtout quand je désaccélère que ça vibre. Mais ça vient des ressorts. Hein. J'ai senti que ça venait des ressorts. Ça vient pas du moteur. Après, bon, ben après, écoutez, moi je trouve qu'il marche très bien. Bon, j'ai toujours pas essayé la pointe, comme je vous ai dit. Il marche très bien ce bordel-là. Et à voir. Voilà. Franchement, moi j'en suis content. Je pense que je vais laisser celui-là. Bon, on m'a proposé un gars sur
sur le groupe là qui m'a dit coupe-le, mets-le, mais il a pas tort, hein, ça serait bien, tu vois, que je le coupe là, je coupe et je rajoute la truc, mais bon, peut-être je le ferai, je vais voir, je vais essayer, je vais voir. Pour l'instant, je reste comme ça. Moi, là, ça me gêne pas, tu vois, il est sur le côté. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça, après on verra. Maintenant, je vais vraiment faire le bon réglage du reçoit avec le vario, le carbu. Bon, le carbu, normalement, à part le gicleur 36 pour les CP, mais ça me fait chier de commander un gicleur à 2 euros, là, et je vais avoir 6 euros de port. Voilà, ça qui me gonfle. Donc, comme je n'ai rien à acheter, donc ben, ça attendra. En plus, on arrive en fin d'été, il va arriver l'hiver, donc je pense pas que j'aurai besoin de mettre fin. Je sais pas, je vais voir. Voilà, avec le froid, on verra. Si je fais une commande, déjà, je le mettrai dans la commande, c'est sûr. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de me commander un gicleur pour ça, quoi. Voilà, faire une commande pour ça, quoi. Voilà. Autrement, voilà, il a bien marché. Perso, bon, je suis pas allé loin, hein, mais perso, il a la patate incroyable. Hein. Alors, c'est 11,56, hein, comme vous savez. 11,56. Et j'ai fait quand même, moi, 88 kilos. Tu vois, je suis pas léger non plus. Mais franchement, voilà, ça marche bien. Les côtes, ils montent, mais alors grave, les côtes, comme ça monte. Je me régale, les côtes. Je prends plus de plaisir dans une côte que sur un plat. Voilà. Alors là, maintenant, il me reste plus qu'à retester avec le 38 pour bien bien tester. Après, il faut que je teste le soir, qui fait beaucoup plus frais. Le matin, il faut que je fasse, enfin, en fait, il faut que je fasse plein d'essais. Voilà. Moi, personnellement, j'aime pas rouler là. Je devais sortir là tout à l'heure, j'ai pas envie. Quoi. Voilà. J'ai pas envie. Je sais pas, j'ai plus envie comme avant. Fatigue ou quoi, je sais pas. La chaleur, je sais pas ce que c'est. Je préfère 10 fois l'hiver que l'été. Après, c'est à Marseille, après, peut-être dans le nord, pour vous, c'est mieux l'été, c'est sûr, parce que l'hiver fait très froid. Mais voilà, nous, on n'a pas se plaindre, l'hiver, on peut rouler, tu te couvres bien, à part l'humidité, la pluie, voilà, sinon tu roules tranquille. Hein. C'est quoi, il fait quoi? Les 12 degrés, 10 degrés l'hiver. Voilà, ça, franchement, tu roules. Hein. Mais bon, on verra pour cet hiver. Après de cet hiver aussi, je roulerai avec lui, là, le SP. Moteur à air, là. Simple quoi. Voilà, là j'ai fait. Bon, hier, quand même, je me suis régalé parce que j'ai senti qu'il avait la patate quand même. Hein. Franchement, il marche bien. Hein. Alors, c'est le carbu 21, hein, comme je dis, et le 70 c'est un peu préparé, tu vois. 190 à l'échappe, 135 latéraux. Et voilà, hein. Franchement, ça marche bien. Voilà. Un bon sens, ça me suffit largement pour moi. Voilà, j'ai même pas envie d'aller plus vite, ça me sert à rien. Voilà. Bon voilà les gens, alors ce pot, hein, voilà, hein, Stage 6 scooter. Après, il y en a d'autres marques qui doivent être bien aussi. Moi, on m'avait donné celui-là, donc j'ai fait celui-là. Hein. Voilà. Après, j'en ai encore un en haut, là. Je dois le faire pour Frankie Alonso. Mais il va falloir que, pour le faire, il va falloir que, ou il vienne, ou avec son cyclo, pour les positions, ou que j'aille moi, et on verra. On verra. Je vais y faire, j'ai promis, j'y ferai, je vais lui faire. Il va me falloir un bout en haut, faut que je trouve un bout en haut. Bon, les pattes, ça, je lui fais avoir, c'est pas un souci. Voir, voilà. Voilà, les gens, c'était juste une petite vidéo pour parler de ce pot-là. Que franchement, moi, ça m'a surpris quand même. C'est quand même plus le même cyclo. En tout cas, je parle à la patate. Hein. Voilà. Je trouve qu'il marche mieux. Voilà. Maintenant, à voir si c'est pas dans ma tête, je le sens. Hein. Ce qui m'importe dedans, c'est une petite pointe, tu vois. Mais bon, comme j'ai dit, pour avoir la pointe, je veux être qu'il soit vraiment bien réglé. Voilà. Bien réglé. Et au moins, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire, hein, pour ce soir. Hein. Bon, les gens, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Peut-être que j'en apprendrai. Hein. Vous allez me dire. Hein. Voilà, les gens. Allez, je vous dis au revoir. Allez, ciao, ciao, ciao.